Aujourd'hui, on va revenir avec une vidéo un peu plus détente que d'habitude. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un tuto, mais une revue. En tout cas, j'espère que les derniers tutos vous ont plu. C'était un projet qui changeait un peu d'habitude. Et moi, qui m'a beaucoup, beaucoup plu à faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de présentation face caméra, mais étant donné que les dernières vidéos étaient longues, je me suis dit que ça servait à rien de rajouter du temps en plus pour rien. Donc cette fois-ci, je vous reviens avec une présentation d'un petit kit mallette, appelez comme vous voulez, pour faire des créations quand on part en voyage ou quand on va dans un endroit où il n'y a pas forcément de four, rien qu'à vous pour la FIMO. Donc on va passer tout de suite à la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve sur le sol de ma chambre avec un joli plaid comme fond de caméra. Donc tout d'abord, la première chose qu'il vous faut, si jamais vous partez en vacances ou ailleurs, et que vous avez besoin vraiment d'un minimum d'espace, c'est de prendre une mallette. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à Cultura. Je me rappelle vraiment plus de la marque, je sais pas si c'est marqué derrière. Non, même pas, mais... je sais qu'elle était vendue avec soit le plateau rose, soit bleu. Je ne sais pas si vous pourrez la retrouver. Ensuite, je trouve que cette mallette est plutôt pratique parce que, comme vous voyez, elle est plutôt petite. Si je peux vous montrer une deuxième que j'ai. Voilà, celle-ci par exemple prend beaucoup plus de place. Les mallettes à outils également. Donc, si vous avez vraiment... peu de choses à faire avec, je vous conseille vraiment de prendre le plus petit format possible, assez pratique quand même pour ranger assez de choses. Donc je vais vous montrer ce que je range dans ce plateau. Donc là j'ai amené un cutter et un scalpel. Le scalpel sera pour le scrapbooking et ça ce sera pour le modelage. Ensuite j'ai prévu des emporte-pièces. Donc là, ce sont les plus petits que je pouvais avoir de mon atelier. Vous allez voir que je mets beaucoup de choses dans des sacs plastiques parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Ensuite, ça fout beaucoup moins de bordel dans la mallette. Ensuite, j'ai prévu également des moules en Oyumaru et en silicone. Donc ce sont les moules que vous avez pu voir dans une précédente vidéo. Oyumaru vs moule maison. Voilà. Ensuite, je prévois toujours des dotting tools, donc là c'était un pack de 5, si j'arrive à vous les attraper. Et là, donc c'est bien d'en avoir de différentes tailles. Ensuite, c'est aussi bien d'avoir quelques pinceaux à nail art. Donc il y en aura par exemple un pour les pastels, un pour le vernis. Et là c'était un autre dotting tool très très fin. La mallette que je suis en train de vous présenter, ça peut aussi marcher pour les débutants. C'est les premières choses dont je me suis servie, sauf qu'à la place des dotting tools, j'avais tout simplement des cure-dents. Ensuite, je prévois un sachet de gants dans un petit plastique comme ça. Donc ce sont des gants normaux, quoi, voilà, comme ceci, parce que... quelquefois on peut faire des travaux assez délicats où on a vraiment envie de faire très attention qu'il n'y ait aucune poussière, et ça peut toujours être très pratique. Après, comme je disais, si on va dans un endroit où on n'a pas de four, la WePam est géniale. Donc là c'est uniquement du blanc, donc j'en ai un en stock et un normal. Ça sèche à l'air, vous n'avez pas besoin de four. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique que la FIMO. En plus, si vous avez peu d'espace, il vous suffit vraiment d'un seul paquet plutôt que d'emmener tous vos sachets de FIMO. Ça n'aurait jamais rentré là-dedans, je pense. Après, toujours pour continuer dans les moules, j'ai un moule WePam donc qui marche avec la porcelaine froide, et celui-ci aussi. Après, vous avez l'incontournable rouleau, donc que ce soit en acrylique, en métal, en tout ce que vous voulez, c'est toujours pratique.
Après la colle forte, on en a toujours besoin pour ce genre de travaux. Et les pastels, parce que je vous ai présenté qu'une seule couleur de WIPAM. Et dans ces cas-là, plutôt que d'avoir plusieurs packs de WIPAM, c'est bien d'avoir par exemple que du blanc et ensuite les pastels avec soi. Et là, si jamais j'ai des créations que je veux ranger, j'ai des petits sachets en plastique qui sont pour moi aussi tout indispensables. Donc voilà, c'est très peu de choses, mais au final, ça rentre dans un espace très petit. Je sais que là où je vais, j'aurai vraiment une toute petite chambre et que je peux pas me permettre de prévoir je ne sais combien d'affaires. Et la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées si jamais vous partez en vacances en août, que vous n'avez pas de four, ou que vous allez, je sais pas moi, dans une petite habitation étudiante, etc. On verra, je pense l'emmener, j'espère que j'aurai le temps d'en faire le week-end au moins. Et puis ben sur ce, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !